bon. Ouais, vas-y, on va. Il y a exactement un an, Extinction Rébellion Montpellier, nous avons effectué une fausse déclaration d'état d'urgence climatique en lieu et place de la mairie de Montpellier. Aujourd'hui, une nouvelle équipe municipale s'installe. Nous réaffirmons notre présence car il y a plus que jamais urgence. À ses pieds. Le cri des insectes invente au dehors un buisson qui l'enserre d'un vertige de champs tenus, épanouis. L'hiver, sous un ciel clair, ses branches en plomb de vitrail. L'arbre est notre prédécesseur dans la déjà très vieille cathédrale de la terre. Au printemps, les chatons rouges du peuplier, dans le ciel chichement ouvert aux yeux d'un blessé, lui disent que le sang peut affleurer aussi à la vie montante. L'arbre est seul à se pencher vers lui de toutes ses branches. Automne, nous savourons le goût mi rouille, mi sang, de l'écorce caressée de nos doigts mortels. Devenue cendre, à ses pieds, nous occuperons un très minime espace où se déploie un univers de champignons, bactéries, plantules, sans mots, sans alphabet non plus. Le monde, enfin, son énergie. Marie-Claire Banca.
Extinction Rébellion Extinction Rébellion Extinction Rébellion Alors en fait, aujourd'hui, on célèbre un non-anniversaire à Extinction Rébellion Montpellier, puisqu'il y a un an, le 1er juillet, on avait fait une fausse déclaration de l'état d'urgence climatique à la place de la mairie. Donc on avait placardé dans toute la ville des fausses affiches qui déclaraient l'état d'urgence. Et Philippe Sorel, donc le maire de l'époque, l'avait déclaré le 18 juillet, 15 jours plus tard à peu près. Et là, aujourd'hui, on a deux messages à faire passer. D'abord que l'urgence climatique continue, que l'extinction du vivant ne s'arrête pas. Et puis aussi un message à la nouvelle municipalité pour dire qu'on est là et que même s'ils se revendiquent écologistes, etc., tant qu'ils n'auront pas fait des actions véritablement écologistes, on sera là pour faire de la désobéissance civile pour leur rappeler la nécessité d'agir. Par rapport au bilan de Sorel, vous en pensez quoi, vous, en gros ? Il est catastrophique au niveau écologique. Il s'est converti en dernière minute pour se faire réélire, mais enfin, les grands projets inutiles pullulent, quand Cérès, le parc Montcalm qui a été envisagé d'être bétonné à un moment, Montpellier continue à être bétonisé massivement, les voitures continuent à rouler en masse, les transports publics sont très peu investis, donc tout ça finalement, Philippe Sorel qui a un vernis écolo de dernière minute, c'est vraiment qu'un vernis, quoi. D'accord. Et par rapport à De La Fosse, du coup, vous avez jeté un, parce qu'il a fait alliance donc avec Mention, il s'est donc mis l'étiquette écolo. Est-ce que vous avez jeté un œil à son programme, à ce qu'il propose, du coup ? Après, nous, on est apartisans, donc on va en aucun cas défendre quelqu'un ou quelqu'une plutôt qu'une autre ou un autre. En revanche, oui, dans son programme, il propose pas mal de projets qui vont dans le sens de l'écologie, mais encore une fois, c'est très facile d'écrire sur un bout de papier qu'on veut faire des forêts urbaines. Maintenant, il faut s'en donner les moyens, et une fois qu'il l'aura fait, on pourra dire que... Enfin, il va dans le sens de l'écologie, mais tant qu'il ne l'a pas fait, on le considère comme tous les autres et toutes les autres, c'est-à-dire des gens qui voient l'écologie comme une priorité secondaire, mais qui l'écrivent pour qu'on vote pour eux ou elles. Ok. Est-ce que vous avez, dans ce sens-là, est-ce que vous avez des propositions concrètes, par exemple si vous étiez à la municipalité, ou est-ce que vous comptez influer pendant ce mandat sur des propositions concrètes, par exemple? Alors nous, à Extinction Rébellion, notre but, c'est pas de faire des propositions, parce qu'on estime que c'est du côté des politiciennes et des politiciens de les faire. Nous, on est là simplement pour... on a deux moyens. On a pour être visible et pour rappeler aux gens que l'état d'urgence climatique est toujours là, que la destruction du vivant continue. Et puis quand il y a des projets qui sont écocides, on est là pour les bloquer. Nous, on n'est pas un think tank, un laboratoire d'idées, donc les propositions, on ne les fait pas. Après, s'il veut dialoguer avec nous, si M. De La Fosse ou un membre de son équipe veut nous rencontrer, c'est avec plaisir, on ne ferme pas la porte. Mais on estime qu'on élit des gens pour qu'eux nous protègent, c'est pas l'inverse en fait. Dans une démocratie représentative en tout cas. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie.